Ok les potes, nouvelle boutique, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner comme d'habitude avec le petit code créateur de la gameuse. Bien sûr, on a le retour du skin Vénard, bien sûr Abyss of V-Buck avec tous ses customs. On connaît bien maintenant, c'est même plus un skin qu'on présente, on connaît bien Véoportin, le second skin, bien sûr sorti à la même époque. Vous avez du coup leur pioche, leur sac à dos bien sûr, pour tous les deux à 200. Le petit retour de Poussaï avec tous ses customs, version normale, version printemps, automne, hivernale, donc hiver forcément, et version été. Vous avez pareil du coup pour les pioches, pour ceux qui aiment bien avoir les pioches avec l'ensemble, printemps, vous avez version du coup été, etc. etc. Ouais, vous connaissez bien, pas besoin de vous le expliquer, je suppose. Ensuite, on a également le retour skin Terror Fluo, celui-là, qui le connaît pas, les gars, vous l'avez tous soit déjà acheté, soit vous le connaissez, soit vous adorez ce skin, mais vous n'avez pas la possibilité de l'avoir. Dans tous les cas, qui ne connaît pas? Voilà, qui est la question. Le Metro Orfeo, pareil, sorti à la même époque, même saison. Non, mais même époque, oui. Chapitre 1, forcément, les deux. Bien sûr, la petite pioche masse plus haut, qui est sortie avec le skin féminin, mais finalement, elle est sortie plutôt avec le mec, parce que je crois qu'elle est sortie à la même époque que le mec, celui-ci. Il me semble, j'ai dit la bêtise. Le Planet est sorti beaucoup plus tard, mais toujours le même ensemble. En même univers licorne, vous avez bien sûr le retour de la skin Grimoire. Bon, à la base, c'est plutôt un skin Halloween, mais bon. Spigam le sort tout le temps, mais j'aime bien ce skin, donc voilà. 1500 V-Bucks, vous avez qui coup ça, puis là, je vous connaissais bien, mais cool, putain. J'adore tout ce qui est fausse et faucheuse, etc. Vous avez du coup le retour d'un skin d'été, donc sorti un petit peu trop tôt, je trouvais bon. La petite skin bombardeuse, excusez-moi, à 1200 V-Bucks. Vous avez du coup l'assassin arctique à 1200 V-Bucks. J'adore ce skin toujours. La PTDR pour 500 V-Bucks. Nous avons bien sûr le Hit Hit pour 500, la danse dynamite et la danse diamant pour 800, les deux pour le même prix. Jubilation pour 200 V-Bucks, la boutique est plutôt pas mal en soi, même si elle est très commune. Et le chevalier Omega toujours disponible bien sûr, juste à la fin de la saison. Vous avez tous les skins skieurs, je pense que vous connaissez bien, je vais pas vraiment vous les présenter un par un. Oula, la boutique est en train de bugger, yes, la boutique, merci. Du coup tous les skins skieurs, j'avais divisé. Les packs, c'est marqué juste ici le vrai prix. Parce que moi, j'en ai acheté qu'un seul d'entre eux à l'époque. Donc voilà, je vous montre un par un. Les skieurs, les machins. Jusque-là, on est bon. Tous les skieurs sont à 1500 V-Bucks. Je pense que vous connaissez bien les skins féminins, les skins masculins. Moi, j'avais pris celui-ci à l'époque. Le skin Robocop. Vous avez, bien sûr, Major, Data One et le petit pack. Enfin, le casier, du coup, du skin du mec qui s'appelle Amar. Moi, je ne connais pas. Peut-être que vous, oui. Et le club de Fortnite. Sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas demain les défis saison, comme d'habitude, le jeudi. Sur ce, à demain. Ciao bye.